Ben, 1, 2, 3, 4. Ah non, mais moi je veux en mettre plus. Ah oui, d'accord. C'est quoi ça? C'est un 9. Ah, 19. Okay. Quoi? Elle aime le feu. Je vais trier. Elle est le feu. Ah, mais super. Oh zut! Je vais avoir un super beau. Yes! Ah, la surprise! C'est un livre. Oui, ça. C'est les guerres du Péloponnèse de Thucydide. Et de l'autre côté. Waouh! C'est quoi? C'est Aristophane. Oh, dis donc! Je peux enfin le sortir de sa boîte. Oula, tu au revoir, bon retour! Bérénice a eu un accrochage dans un rond-point à sa fibère en rentrant de son stage chez Anthony. Je vais conduire la voiture chez le garagiste pour voir si on peut la réparer. Que les chiffres ne baissent plus et se remettent même à légèrement augmenter, il est de notre devoir d'en tirer les conséquences et d'adapter les mesures que nous avions envisagé de prendre à l'échéance du 15 décembre. S'y ajoutent deux raisons supplémentaires d'agir. Les semaines à venir présentent en effet un certain nombre de facteurs de risque que nous n'avions pas rencontré en mai dernier, à la levée du premier confinement. C'est pourquoi nous avons décidé, sous l'autorité du président de la République, d'adapter la stratégie de déconfinement en pleine cohérence avec ce qui vous avait été présenté le 24 novembre dernier. Mardi prochain, le 15 décembre, comme nous l'avions annoncé, nous passerons à une nouvelle étape. Ce couvre-feu concernera aussi, contrairement à ce que nous avions envisagé initialement, le réveillon du 31 décembre. Il est vers 17h. Aujourd'hui, je n'ai presque pas filmé. Il faut que je retrouve l'énergie de filmer. Bérénice et Léobin sont dans leur chambre. Nous sommes tous chacun dans notre chambre ou dans notre bureau. On se retrouve de temps en temps pour faire des pauses. Aujourd'hui, je vais appeler Camara pour avoir des renseignements sur le nouvel appareil que je voudrais acheter. Canon G7X Mark III. Est-ce qu'une nouvelle caméra peut modifier le geste de filmer ?